Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc tiré du sujet officiel du brevet des collèges, donc centre étranger, c'est exercice de probabilité. On est parti donc ici avec des dés. Dans cette première partie, on lance un dé bien équilibré à six phases, donc un dé très classique. Un numéro T de 1 à 6 et on note le numéro de la phase du dessus. C'est comme ça qu'on fait toujours quand on jette un dé. Trois petites questions déjà sur cette. Sur cette expérience aléatoire. La première question, donc, donner sans justification, les issues possibles. Alors, là, évidemment, quand on jette un dé, ça dépend ce qu'on regarde. Ici, on s'intéresse au numéro de la phase du dessus. Donc, il y a six issues, six résultats possibles à cette expérience. Et donc, on va écrire les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. On peut même noter ça sous forme d'un ensemble avec ici des accolades. 1, 2. On peut mettre des points-virgules ou des virgules ici, comme c'est des nombres entiers, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble des issues possibles qu'on appelle l'univers de l'expérience. Quelle est la probabilité de l'événement ah, On obtient 2. Alors, ici, on est là vraiment pour réviser les 6 issues sont équiprobables. Équiprobables, ça veut dire qu'elles ont toutes la même probabilité. Équi Donc la probabilité de l'événement A, qu'on peut noter P de A, ça sera le nombre ici. Le nombre d'issues amenant à notre événement, amenant à A. Et on va diviser par le nombre d'issues total. Alors des issues. On a donc ici 6 issues. L'événement, on obtient 2. Il n'y a donc qu'une seule issue qui amène à 2. C'est quand on a fait 2. Donc on a une probabilité de l'événement A qui est 1 sur 6. Donc un sixième. Troisième question. Probabilité de l'événement B. On obtient un nombre impair. Donc on utilise exactement la même formule. Nombre d'issues amenant. Alors ici, ça sera amenant à B. Divisé par nombre d'issues totales. Alors on a toujours 6 issues. B, c'est impair. Ça veut dire que l'événement, donc... Nombre impair en termes d'issues, ben c'est un ensemble qui contient les issues, donc 1, 3 et 5. Ça veut dire qu'il y a 3 issues qui nous amènent à B, donc on a 3 sur 6. Alors 3 sur 6, par contre, ça, eh bien ça va se simplifier. 3 c'est 3 fois 1, 6 c'est 3 fois 2. Vous voyez qu'on simplifie par 3, il me reste 1 sur 2. Deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on lance simultanément deux dés bien équilibrés, hein, un rouge et un vert. Donc ici vous aurez un dé rouge, enfin un dé vert et après vous aurez un dé rouge. On appelle score la somme des numéros obtenus sur chaque dé. Première question. Quelle est la probabilité de l'événement Le score est 13. Alors quand on jette deux dés, le score maximal est donc 12. Le score maximal est 12. Donc, on ne, peut, on ne peut obtenir 13. Donc, la probabilité de l'événement C est donc égale à 0. Comment appelle-t-on un tel événement eh C'est un événement qui ne peut pas se réaliser. On appelle événement impossible un tel événement. D'accord Donc le nom c'est, est donc ce qu'on appelle l'événement impossible. Donc on peut d'ailleurs, le score est 14, le score est 15, le score est moins 8. Tout ça sont des événements qui ne peuvent pas se réaliser. On dit que ce sont donc des événements impossibles. Question de Dans le tableau, donc à double entrée, celui que je vous ai mis ici en bas à droite, on remplit chaque case avec la somme des numéros obtenus. Compléter sans justifier le tableau donné. Alors, il faut bien comprendre, vous avez ici en ligne les valeurs. Donc ici du dé rouge en colonne les valeurs du dé vert et vous avez des cases. Alors vous pouvez remarquer, ici il y a 36 cases, certaines sont déjà remplies donc on va les regarder. Ici vous avez un 6 qui a été obtenu en faisant la somme du 4 ici et la somme du 2. Oui. Donc le premier dé, le rouge a fait 4, le vert a fait 2, on fait 4 plus 2, ça fait 6. On vous donne un deuxième exemple, ici avec un 7, le premier dé, le dé rouge a fait 3. Le dé vert a fait 4. On fait la somme, on obtient effectivement une somme de 7. Et on vous demande de tout remplir. Donc c'est assez classique. Donc pour remplir, on va commencer par la première case ici en haut à gauche. Les 2D, on fait 1, donc la somme fait 2. Ensuite, le premier fait 1 et 2, ça fait 3. Et donc on remplit comme ça. Vous voyez, quand on se déplace vers la droite, ça augmente de 1. Ici, on fait 2 plus 1, 3. Et quand on descend, ça augmente aussi de 1. Donc que vous allez vers la droite ou descendre, ça augmente de 1. Ici, on aura donc, donc 2 plus 2, 4. 3, 4, après 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5. Alors normalement, vous avez déjà fait ce genre d'exercice en classe. Vous remarquez que tout marche par des diagonales ici. On a une ligne, une diagonale de 2, de 3, de 4, de 5. Ici, de 6, de 7. Ici, une diagonale de 8. Et etc. Donc vous pouvez remplir ça de plein de façons. Voilà, sachant qu'à la fin, il y a une dernière case, où vous avez le score maximal qui est 12. Question suivante, assez simple, donnez la liste des scores possibles. Donc vous regardez tous les nombres qu'on a écrits en rouge. Donc au minimum, c'est 2. Au maximum, donc ça sera 12. Donc on va trouver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 scores possibles. Troisième question, petit a, déterminer la probabilité de l'événement D, le score est de 10. Alors attention, je vous ai dit qu'il y avait 11 scores possibles, mais ils ne sont pas équiprobables. On a plus de chances, par exemple, d'avoir un 7 que d'avoir un 12. Donc, pour être capable d'estimer ces probabilités, et il faut comprendre que dans notre tableau, hein, je vais vous les montrer, on a donc ici hein, les 36 cases. Hein, donc, c'est un carré de 6 par 6. Et chacune de ces 36 cases, en fait, est équiprobable, a aucune autant de chances d'arriver que les autres. Donc, chaque case a une chance sur 36 d'arriver. Donc, au total, on a donc 36 cases équiprobables. Donc, la probabilité de D, ça va être le nombre, finalement, de cases qui amènent ici à notre événement, donc à 10. Donc, des 10, j'en ai 1, 2, 3. Vous pouvez regarder, il y a 3 cases qui mènent à 10 sur un total de 36. Donc, on a donc une probabilité de 3 sur 36. On va simplifier par 3. 3, donc c'est 3 fois 1. 36, c'est 3 fois 12. Donc, si je simplifie ici par 3, j'aurai 1 ici. Et là, je vais avoir donc 12. J'aurai donc une probabilité de D de 1 12e Deuxième événement avec ces 2 D. Le score est un multiple de 4. Donc, les multiples de 4 parmi nos scores possibles. Alors, on n'a pas 2, pas 3, on a 4. 4, c'est 4 fois 1. Ensuite, on a 4 fois 2, donc 8. Et on trouve 12. Donc, il faut que je regarde ici toutes les cases parmi les 36 qui vont mener à 4, 8 ou 12. J'ai donc ici 3 cases qui mènent à 4. Des 8, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 cases qui mènent à 8. Et 12, j'en ai qu'une seule. Au total, j'ai donc 8 et une 9 cases qui mènent à un multiple de 4 sur... 36 au total. Donc la probabilité de l'événement E, eh bien ça va être 9 sur 36. On simplifie encore par 3. Alors là, je vais aller plus doucement. 9 c'est 3 fois 3. 36 c'est toujours 3 fois 12. On simplifie par 3. Quand on simplifie, c'est des 1 qu'on met à la place. On n'écrit pas toujours, mais il faut bien le savoir. Il reste donc 3 sur 12. Alors là, attention, parce que 3 sur 12, ça se simplifie encore par. 3, et donc je fais, je simplifie par 3. 3 c'est 3 fois 1, 12 c'est 3 fois 4. En simplifiant, vous voyez, il va me rester ici, les 3 se simplifient, il reste 1 sur 4. Alors j'aurais pu aller un petit peu plus vite, parce que 9 sur 36, et hein, eh bien 36 c'est un multiple de 9, hein. c'est 9 fois 4. Donc on avait 9 fois 1 sur 9 fois 4 en simplifiant par 9. Il nous restait 1 en haut et 4 en bas. Il nous restait donc 1 quart. Et voilà donc la probabilité de E. Pour ceux qui ont peut-être eu du mal à suivre, sur le tableau, ouais. ça c'est les 3 cases qui mènent à 4. Ici, voici les 5 cases qui mènent à 8. Et ensuite, vous avez la case qui mène à 12. Donc ça fait bien 9 cases qui nous intéressent sur les 36. Tout est qui probable, donc 9 sur 36. Dernière question. Démontrer que le score obtenu a autant de chances d'être un nombre premier qu'un nombre strictement plus grand que 7. Donc on va tout simplement calculer la probabilité d'avoir donc un nombre premier. Et on calculera aussi la probabilité d'avoir un nombre strictement plus grand donc, que 7. Alors on va regarder notre tableau. Donc, nombre premier. Alors rappelons ce que c'est quand même qu'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement donc, deux diviseurs positifs. Sinon, on peut quand même faire la liste. Les nombres premiers, alors le plus petit, c'est 2. Après, j'ai 3, 5, 7, 11. Et on s'arrête parce qu'il y a 13, mais nous, on est entre 2 et 12. Donc ici, voilà. Donc les nombres premiers qui peuvent m'intéresser dans cet exercice. Donc je regarde. Je vais compter. 2, j'ai une façon de l'avoir. 3, j'en ai 2. 5, 1, 2, 3, 4, 7. Ici 6, c'est la plus grande diagonale, et 11, j'en ai deux. Donc je compte 3, 7, 7 et 6, 13, 14, 15. J'ai donc 15 sur 36 comme probabilité. Alors 15 sur 36, on peut simplifier par 3, parce que 15 c'est 3 fois 5 et 36 c'est toujours 3 fois 12. Donc en simplifiant donc par 3, il me reste 5 sur 12. Maintenant, plus grand. Que 7 alors plus grand strictement ça veut dire que c'est pas 7 c'est au minimum 8 donc j'ai les 8 les 4 9 les 3 10 les 2 11 et le 12 ça me fait donc 5 5 et 4 9 9 et 3 12 13 14 15 et on trouve effectivement encore 15 issues sur les 36 ici enfin 15 cas sur les 36 qui me fait bien 5 sur 12 donc effectivement les deux probabilités sont bien égales. Et cet exercice est déjà terminé. Bonne journée à tous et à bientôt.